Bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter en fait rapidement ce rig déminage que j'ai réalisé. Donc, pour l'instant, vous voyez, c'est un rig avec 5 cartes. Voilà, vous pouvez voir sur la gauche le wattmètre qui indique la consommation en temps réel. Alors, je vais commencer par vous présenter la carte mère. C'est une carte mère qui est très très bien de MSI. C'est une B360F Pro. Donc elle a une particularité qui est très très agréable, c'est qu'en fait il y a un indicateur quand les risers sont bien connectés. Donc quand les cartes graphiques sont bien connectées avec les risers, en fait on voit une petite lumière qui s'allume. Voilà, donc ça c'est une prestation qui est très très agréable, moi je trouve. On a aussi un système Easy Debug pour savoir d'où viennent les problèmes en fait si jamais ça ne s'allume pas correctement. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, en fait, j'ai acheté en fait une alimentation de 1000 watts de EVGA. J'ai pris cette alimentation essentiellement parce qu'elle possède 10 connecteurs d'alimentation. C'est une problématique en fait quand on achète les alimentations parce qu'il y a beaucoup d'alimentations de 1000 watts qui ont uniquement 6 connecteurs. Hein. Et quand on commence à avoir des cartes graphiques, donc on a des cartes graphiques là, vous allez voir. Ça, c'est une 5600 XT de chez MSI. À côté, vous en avez une qui ressemble énormément, mais ça, c'est une 5700. Donc, pour celle-là, en fait, il faut brancher à chaque fois deux connecteurs. Ensuite, vous avez une 5600 XT de chez Saphir. Voilà, vous avez exactement la même à côté. Et pour finir, en fait, c'est une 5600 de Saphir, mais c'est la version BE. Donc, je vais vous montrer par le haut. C'est une version qui n'a pas l'éclairage, la petite LED Saphir, et qui est un petit peu plus courte. Voilà, donc il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est une version plus bas de gamme. Elle est un tout petit peu moins chère sur le marché. Mais moi, pour l'avoir testée, en fait, il y a les mêmes ventilateurs qu'on peut changer facilement. Donc, les ventilateurs qui sont très agréable à démonter. En fait, il y a une seule vis contre 3 sur les autres ventilateurs. Et aussi au niveau de refroidissement, je suis très très agréablement surpris parce qu'elle refroidit très très bien. Voilà. Donc ce rig de minage, je l'ai monté il y a quelques semaines et la performance en étage, on est aux environs de 218 MHz pour donc un total de 614 watts, 615 watts. Voilà, donc j'en suis très satisfait. J'aime beaucoup l'alimentation 1000 watts, elle est très très bien en fait. Et la carte mère me donne entièrement satisfaction. Donc, comme vous pouvez voir, en fait, j'ai différents risers, donc des différentes couleurs en fait au niveau de l'affichage. Voilà, et j'ai eu aucun souci dessus. Voilà, donc la petite présentation.